Bonjour mes chers étudiants, comment allez-vous? Et voilà que je vais vous accompagner dans l'exploration d'une nouvelle unité de notre manuel. Dans ce cas, ce sera l'unité 6. Vous voyez là le titre, Échappée belle, échappée belle. La traduction sería más o menos una escapada, o sea, un viaje de escapada a otro lugar. En francés dicen escapadas bonitas, pero bueno, lo traduciríamos por una escapada, échappée belle. Et voilà, c'est l'unité 6 de notre manuel. Je vais maintenant vous présenter d'abord l'unité et ensuite on va travailler le premier dossier. Vous savez que dans chaque unité, il y a deux dossiers. Donc, dans cet enregistrement, on va lire, je vais vous accompagner dans la découverte du premier dossier. OK? Alors pour commencer, voilà, vous avez ici la page de présentation de l'unité. Comme je vous ai dit, le titre Échappée belle, una escapada, un viaje de ocio, s'entiende? Et voilà ici le contenu que vous avez concernant voilà, le dossier 1, mais on va regarder aussi les dossiers 2 dans la présentation. Alors, le premier dossier, dossier 1, c'est le temps libre. Le temps libre. El tiempo libre. Le temps libre. Remarquez la prononciation des temps. OK? Il y a T, E, M, P, S. Il y a beaucoup de lettres, mais dans la prononciation, vous dites simplement temps, c'est-à-dire T et la voyelle A nasale. Le temps libre. Le temps libre. Bon, la présentation des paragraphes, c'est toujours la même pour toutes les unités. Donc, il y a une première partie, c'est culture et société, culture et société, cultura y sociedad, ou también, como pone este entre paréntesis, quiere decir que sería también escrito en plural, culturas y sociedades. Et ça me rappelle l'importance de savoir que pour les Français, pour la langue française, le substantif, pour le pluriel, ils ajoutent normalement la lettre S, mais la prononciation, c'est toujours la même. Culture, société, si lo digo sin más, podría ser cultura, culturas, sociedad, sociedades, porque al oído no se hace distinción. ¿De acuerdo? Alors, culture et société, les loisirs des habitants d'Essaouira. Les loisirs des habitants d'Essaouira. Les loisirs. Esta palabra se usa habitualmente escrita en plural. Les loisirs. Hein? Les loisirs. Y significa el ocio. Las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre. Las actividades que no tienen que ver con el trabajo. Les loisirs. Les loisirs. Loisirs. Les loisirs des habitants de Essaouira sería el ocio de los habitantes de Essaouira. Essaouira es una ciudad de Marruecos. Luego os pondré un pequeño vídeo para que nos situemos mejor. Après, les loisirs des Français. Les Français, Internet et les réseaux sociaux. Les loisirs des Français et l'ocio de los franceses. Des Français. Les Français, Internet et les réseaux sociaux. Los franceses, Internet y redes sociales. Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Redes sociales. Après, pour la grammaire, il y a les articles contractés. Les articles contractés se llaman artículos contraídos o contractos. Bueno, estoy traduciendo mal del francés. Y es el resultado de combinar el artículo con dos preposiciones, la preposición a y la preposición de en francés, cuando aparecen junto a un artículo, sufren una contracción. Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo digo je vais à la piscine, je vais à la piscine, voy a la piscina, el verbo aller, je vais, me pide la preposición a, je vais à, para indicar el lugar al que voy. Y si luego indico ese lugar y es femenino, la piscina, no hay ninguna contracción. Je vais à la piscine. Pero si quiero decir que voy al café, je vais à, y quiero decir le café, el café, no podría decir en francés je vais à le café. Tendría que decir obligatoriamente je vais au café. Escrito AU. Je vais au café. En cierto modo es muy parecido a lo que ocurre en español cuando decimos voy al bar o voy al cine. Decimos al, que es la contracción de a y el. Pues lo mismo ocurre en francés. Es decir, siempre que tengamos la preposición a y esta vaya seguida
de un sustantivo que lleve por delante el artículo le, masculino singular, o les, plural, masculino femenino, pero plural, siempre se va a producir una contracción. Y lo mismo ocurre con la preposición de, que si tenemos de seguido del artículo masculino singular de le, tendremos que decir du. Je viens du café, vengo del café. O je viens, si lo decimos en plural, de, je viens de Champs-Élysées, vengo de los Campos Elíseos, por decir alguna cosa. ¿Ok? Voilà. Donc, ça, on va l'étudier en détail. Après, vous avez le verbe faire. Es un verbo muy importante que tenemos que añadir a nuestra lista de verbos que hay que aprenderse muy bien de memoria, tanto escribirlos como pronunciarlos. Le verbe faire, hacer. Y après, le verbe jouer, también un verbo importante, jouer, porque significa lo mismo jugar a algo que tocar un instrumento musical. Jouer. Lo veremos más adelante. Y también tenemos una parte importante aquí, que es la presentación ya en detalle del pronombre on. Como sabéis, on es un pronombre que hace referencia siempre a personas, pero que tiene un sentido muy general. Puede ser cualquier persona o un grupo de personas en el que nosotros nos incluimos y todos nos conocemos. Ese on significaría en unos casos nous, nosotros, y en otros casos podría significar la gente en general. Et après, il y a aussi les contenus pour expliquer pour et parce que. Son formas que vamos a utilizar para indicar la finalidad por la cual hacemos algo. J'étudie le français pour voyager en France. Estudio el francés para viajar. Pour sería para, pour, seguido de un infinitivo. O parce que sería y para indicar, en este caso, no la finalidad, sino la causa por la que hacemos algo, ¿no? Je parle français parce que j'étudie le français. Hablo francés porque estudio francés, más o menos. Après, il y a la partie de communication, parler de ses loisirs, hablar de nuestro ocio, del ocio, parler d'internet, hablar de internet, et de réseaux sociaux, parler de réseaux sociaux, hablar de redes sociales. El léxico de toda la lección, le léxico, el vocabulario, sería lo relacionado con les loisirs, internet et les réseaux sociaux. ¿Ok? Aquí nos pone el número uno, porque obviamente la segunda parte, el dossier de, es una continuación de estos contenidos que vamos a ver en esta primera parte. Dossier de, l'amitié et les vacances. L'amitié et les vacances. La amistad y las vacaciones. Culture et société, quelques lieux de vacances francophones. Quelques lieux. Quelques significa algunos, algunas. Quelques lieux, algunos lugares. Lieu, lieu, poco difícil la pronunciación. Lieu, lieu, es una sola, en un solo golpe silábico. Lieu. La X es la marca de plural. Fijaros que os he dicho arriba que normalmente el plural es una S que se añade a la palabra en singular, pero en algunos casos es la X. No es lo más común, pero puede ocurrir. ¿Ok? Alors, quelques lieux, algunos lugares, de vacances francophones, algunos lugares de vacaciones, algunos, bueno, podríamos traducirlo por destinos de vacaciones francófonos, donde se habla francés. Après, pour ce qui est la grammaire, vous avez l'accord de l'adjectif qualificatif, la concordancia del adjetivo calificativo, y vamos a seguir explorando le pronom on, que hemos visto antes, un pronombre personal, pero que es indefinido, no alude a ninguna persona en concreto. Pour ce qui est la communication, alors vous avez identifié son profil de voyageur, identificar su perfil de viajero, son perfil de voyageur, difícil también la pronunciación, viajero, se décrire et décrire ses amis, describirse y describir a los amigos, décrire, tenemos el verbo écrire, escribir, décrire, describir. Inviter quelqu'un ou faire une proposition. Inviter quelqu'un sería invitar a alguien. Fijaros cómo decimos a alguien. Quelqu'un. Hemos visto aquí antes quelque, que es un adjetivo que acompaña a otra palabra, un sustantivo. Quelque es algunos, algunas. Quelque lieu, algunos lugares. Y aquí tenemos quelqu'un, que funcionaría como un pronombre y significa alguien, invitar a alguien.
ou faire une proposition, o hacer una proposición, hacer una propuesta, proponer algo. Accepter ou refuser une invitation. Accepter une invitation, refuser une invitation. Aceptar, fijaros, doble C, KS. Accepter, accepter, la P también se pronuncia, accepter, accepter ou refuser, refuser une invitation. El léxico sería más o menos el mismo. El de arriba, le loisir, segunda parte, l'amitié, l'amistad, les traits de caractère, los rasgos de carácter, los rasgos de carácter. Y aquí, bueno, nos plantea las actividades al final de cada dossier, realiser un mini guide de loisirs de la ville, hacer una mini guía de del ocio, una guía del ocio, guide de loisirs, guía de los ocios, guía del ocio, mini guide, y proposer un séjour adapté a un trait de caractère, proponer una estancia en un lugar adaptado a un tipo de carácter. ¿Okay? Et voilà, et ça c'est donc la présentation de l'unité 6. Et maintenant, je vais ouvrir les deux premières pages qui suivent pour travailler petit à petit le premier dossier. Je fais une petite pause pour préparer les deux pages. Et voilà, je suis à nouveau avec vous. Et cette fois-ci, je commence avec les deux premières pages de ce dossier de l'unité 6. Ce sont les pages 90 et 91. Il faut bien le regarder, bon, et se complémentent l'une à l'autre. Et le titre de ces dossiers, ici sur la page, c'est Un week-end à Essaouira. Un week-end à Essaouira. Entre tradition et modernité. Un week-end à Essaouira, la ciudad de Marruecos, entre tradition et modernité. Et il y a une question qui se pose. Que font les habitants de Saouira quand ils ont du temps libre? Que font les habitants de Saouira quand ils ont du temps libre? ¿Qué hacen los habitantes de Saouira cuando tienen tiempo libre? Quatre habitants nous parlent de leurs loisirs le week-end. Quatre habitants nous parlent de leurs loisirs le week-end. Cuatro habitantes, cuatro ciudadanos de Saouira nos hablan de su ocio. Fijaros la palabra ocio, loisir, que siempre o casi siempre vamos a utilizarla en plural. Leur loisir, el ocio de ellos, su ocio, le week-end, el fin de semana. De toute façon, on va lire d'abord ici, on va commencer par la page d'à côté. Avant de lire, antes de leer, ok? Avant de lire, ok? Avant de lire, qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Cocher. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Cocher. Voilà. C'est une question très typique que nous avons travaillé en cours. Je me rappelle bien les moments où nous avions parlé de ça, de vos activités. Alors, ça, c'est un peu pareil, hein? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? ¿Qué le gusta hacer a usted el fin de semana? El verbo aimer, gustar, qu'est-ce que vous aimez faire? Y nos pide que marquemos, cocher sería marcar lo que nos gusta hacer. Alors, vous avez là, je me repose, je me repose, je me repose. C'est le verbo se reposer, que significa descansar. Ok, je me repose. Je fais du sport, je fais du sport, je fais du sport, esto quiere decir que hago deporte, practico deporte. Fijaros, el verbo faire lo vamos a usar mucho en adelante porque se utiliza para hablar de actividades o deportes y cosas que hacemos. Je me promène, me paseo. Bueno, también tenemos aquí estos dibujitos que nos ayudan a adivinarlo mejor. Je me promène, me paseo. Je fais du shopping, je fais du shopping. Fijaros, shopping, palabra inglesa muy utilizada en este contexto en francés y que lo pronuncia un poco a su manera. Shopping, shopping, je fais du shopping, que es decir, pues me voy de tiendas a ver escaparates al supermercado, no, no al supermercado, perdón, a los centros comerciales, ¿no? A pasar la tarde. Je visite des musées, je visite des musées, visito museos, fijaros, je visite des musées, acordaros que ponemos de. Para saber que estamos hablando del plural, porque musée
Sí, aunque lleve la S, al oído no suena y para saber que estoy hablando en plural diría des musées. Je visite un musée, visito un museo, pero si digo visito museos, uno, varios, muchos, diré des, que es el plural. Je visite des musées. Après, je lis, leo, je sors le soir et je fais la fête. Je sors le soir, salgo por la tarde, por la noche. Acordaos que le soir va hasta las 12 de la noche, ¿no? A partir de las 7 de la tarde y las 0 horas sería le soir, salgo por la noche. Et je fais la fête y me divierto. Bon, faire la fête es salir a divertirse, literalmente hacer la fiesta. Je regarde la télé, miro la televisión u otra cosa. Voilà, donc là, vous pouvez prononcer comme une petite première activité et vous pouvez, si vous voulez faire une petite activité, vous écrivez, c'est pas seulement que vous cochez, mais que vous écrivez ces lignes-là qui se correspondent avec ce que vous faites, ce que vous aimez faire le week-end. Et l'important, c'est que vous lisiez les phrases, hein, vous les lisez, las leéis, para que vayáis cogiendo más soltura en la prosodia, en la pronunciación del idioma. Après, on parle d'Essaouira. Essaouira est une ville du Maroc. Que savez-vous de cette ville ou de ce pays? Faites de recherches si nécessaire et échangez en classe. Bueno, nos pregunta por Essaouira, una ciudad de Marruecos, une ville du Maroc. Que savez-vous, qué sabe usted de esta ciudad, de cette ville ou de ce pays ou de este país? Faites de recherche, haga búsquedas, recherchez, buscar, investigar, ¿no? Alors, haga búsquedas si nécessaire, si fuera necesario, échanger en classe. Bon, moi, je ne connais pas Essaouira, je sais que c'est une ville du Maroc et pas plus. De toute façon, si vous regardez sur Internet, par exemple ici, j'ai trouvé, je pense que c'est un blog où on parle justement d'Essaouira, Mogador, beauté sauvage. Et là, on parle de la ville, hein? Et voilà qu'il y a même un clip vidéo ici où on présente la ville. Ça a l'air d'être très beau, hein? Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller sur YouTube et voilà, et visiter la ville d'Essaouira. Moi, je ne connais pas le Maroc. Vous avez visité le Maroc? Je voudrais bien le visiter, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le moment, je n'ai pas trouvé le moment. Alors voilà. Alors vous avez là l'envoûtante Mogador et Essaouira, une destination aux mille et une possibilités. Aquí nos dice, aquí descansamos, aquí se consume, también se cultiva la embriagadora Essaouira Mogador, un destino con mille posibilidades. Bon, alors c'est à vous de regarder si vous voulez et si ça vous tente d'y aller un jour. Okay? Bon, alors on va arrêter là parce qu'on ne va pas regarder toute la vidéo, mais vous savez que sur Internet, vous trouverez pas mal de vidéos qui vont vous transporter à cette ville. Voilà. Bon, je continue par là. Et après, on nous dit ici, voilà, lisez le document, lisez le document, lire, comprendre, réagir, leer, comprendre et réactionner. Lisez les documents. Quelles sont les activités que vous aimeriez faire? Quelles sont les activités que vous gustaría faire? Bueno, pues vamos a leer este documento. OK, vamos a leerlo primero. OK, je le lis avec vous. Vamos a ver. Estas cuatro personas, vous vous rappelez ici, il y avait le texte, quatre habitants nous parlent de leurs loisirs, voilà, de leur, voilà. Quatre habitants nous parlent de leurs loisirs le week-end. Cuatro habitantes nos hablan de su ocio en el fin de semana. Bueno, los tenemos aquí, vamos a ampliarlo un poquito y lo voy a leer con vosotros, esperando que lo podáis entender bien. Es importante que yo lo voy a leer, pero que lo leáis vosotros en casa tranquilamente. Intentar leer, si podéis, todo seguido, intentando marcar las pausas, los grupos de palabras. Es difícil, pero es la única forma de que nos habituemos al ritmo, a la entonación y a la prosodia del idioma. Alors voilà, vous avez là une habitante, Siham. Yo no sé pas comment ça se lit en français, no tengo ni idea de cómo se lee esto, pero bueno, será Siham o Siham. 20 ans. 20 ans.
Le week-end, j'aime me promener dans les rues de la Médina, la partie historique de la ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très beau. Je vais au souk, les marchés traditionnels, tôt le matin, parce qu'après, il y a trop de touristes. Pourtant, le week-end, le fin de semana, pero todos los fines de semana, habla en general, los fines de semana, j'aime me promener dans les rues de la Médina, la partie historique de la ville. Me gusta pasearme por las calles de la Médina, la parte histórica de la ciudad, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Es decir, es una parte de la ciudad que está protegida, que forma parte del patrimonio de la humanidad. ¿Ok? Patrimonio cultural de la humanidad. Elle est classée, está clasificada au patrimonio mundial de l'UNESCO. C'est très beau, es muy bonita. Se refiere a la Medina. Je vais au souk, les marchés traditionnels, tôt le matin, parce qu'après il y a trop de touristes. Voy al souk, ¿no? Yo creo que es lo que decimos en español, el zoco, que es el mercado, ¿no? Tradicional. De hecho, la palabra zoco, yo creo que viene de ahí precisamente, es una palabra de origen árabe. Tôt le matin, muy temprano por las mañanas, voy al zoco muy temprano por las mañanas, parce qu'après il y a trop de touristes, porque después, esto indica la causa, porque después, parce que, après, después, hay muchos turistas. Vamos a ver el caso de Hicham. Hicham, 45 ans. J'adore la musique. Dans ma famille, tout le monde chante ou joue d'un instrument. En ce moment, on se prépare pour le festival Gnawa. Pendant 3 jours, il y a des concerts dans toute la ville. Les artistes jouent de la musique Gnawa, une musique traditionnelle marocaine. Les musiciens et les publics viennent du monde entier, c'est génial. Bueno, pues aquí Hisham nos habla de su actividad de fin de semana. J'adore la musique, me encanta, me gusta mucho la música. Dans ma famille, tout le monde chante ou joue d'un instrument. En mi familia, todo el mundo canta o toca un instrumento. Fijaros, el verbo jouer significa jugar, pero cuando decimos jouer de, ponemos la preposición de, ya estamos hablando de tocar un instrumento musical. Joue d'un instrument. En ce moment, en este momento, on se prépare pour le festival Gnawa. Fijaros aquí, on es nos estamos preparando, la gente se prepara, todo el mundo se prepara. Podemos entenderlo según el contexto, con una traducción u otra. Aquí podría ser este on, como si se incluye él, sería nos estamos preparando, ¿no? Nos preparamos pour le festival Gnawa. Pendant 3 jours, durante 3 días, pendant 3 jours, il y a des concerts dans toute la ville. Hay conciertos en toda la ciudad. Les artistes jouent de la musique Gnawa. Los artistas, una vez más el verbo jugar, pero como va con de, se refiere a interpretar, a tocar instrumentos, por tanto, interpretan o tocan música Gnawa. Y musique traditionnelle marocaine, música tradicional de Marruecos. Les musiciens et le public viennent du monde entier. C'est génial. Los músicos, les musiciens, le public y el público viennent du monde entier. Vienen del mundo entero. C'est génial. Es fantástico. Y voilà, ici, on parle de la musique Gnawa. No sé si estáis familiarizados con este tipo de música. Yo admito que sí conocía esa música, pero no sabía que se llamaba así. Así que os he dejado aquí una pequeña muestra del festival Gnawa Musique Sawira, au cœur du festival Gnawa de Sawira. Un pequeño reportaje, vamos a ver un poquito, para que sepáis de qué música están hablando y que es muy famosa en la ciudad de Sawira. Vamos a ver. Okay. Vous gustez? Vous aimez? C'est bien? Vous aimeriez bien visiter Sawira au moment du festival? Ben pourquoi pas? Et voilà, ça continue. Musique et danse se poursuit jusqu'au rempart. Musique et danse continuent
continue et s'extiende hasta las murallas. Les remparts sont las murallas de la ciudad. Remparts. Bueno, no voy a poneros todo el vídeo. De toute façon, vous savez que sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos si jamais vous avez la curiosité d'y aller. Et voilà, je continue. Et je continue ici avec... attendez un moment. Et voilà, qu'est-ce que je fais par là? Un moment. Voilà, je continue par là. Et maintenant, je continue avec la lecture de Imad 30 ans. Imad 30 ans. Le week-end, avec mes amis, on va souvent au Taros, un café-restaurant avec une grande terrasse. On voit tout, la ville, la médina, l'océan, c'est beau. On boit un verre ou on discute avec les touristes. Le soir, quand il y a des concerts, on fait la fête et on danse toute la nuit. Voilà, très bien. Alors, je le lis à nouveau. Le week-end, los fines de semana, avec mes amis, on va souvent au Taros. Bueno, no sé si se lee Taros o Tarro. Habría que escucharle a él cómo lo dirá. Yo voy a decir Tarro, pero posiblemente pueda decirse Taros. ¿Okay? On va souvent au Taros, un café-restaurant avec une grande terrasse. Los fines de semana, con mis amigos, fijaros, este on, que vuelve a aparecer siempre con el verbo en tercera persona de singular, on va, es un nosotros familiar. Es una forma de decir nosotros, porque aquí sí está hablando de sus amigos, no está hablando de toda la gente de Sawira, sino avec mes amis, on va, podría haber dicho avec mes amis, je vais au café Taros, voy, pero on va es vamos, yo y mis amigos, todos vamos. Por tanto, on, os recuerdo, es un sujeto personal, siempre se refiere a personas que tiene varias traducciones y una de ellas en este contexto sería nosotros. Vamos, on va. Os recuerdo siempre el verbo en tercera persona del singular, ¿ok? On va souvent au Taros, un café-restaurant, un café-restaurante con una gran terraza. On voit tout. Fijaros, aquí on significaría se ve todo. Este on aquí no es necesariamente... él y sus amigos, sino que tiene un valor más general. Es decir, en esa terraza todo el mundo se puede ver de todo, ¿no? Y por tanto es nuestro castellano, en español diríamos el se. ¿Eh? Uno ve todo, se ve todo. ¿Eh? La ville, la medina, l'océan, la ciudad, la medina, l'océan, el océano, c'est beau. Qué bonito es todo. Fijaros, este c'est beau neutraliza, se refiere a lo mismo a la ville, la medina, l'océan, lo neutraliza con un pronombre neutro y al neutralizarlo el adjetivo beau se queda invariable, ¿de acuerdo? On boit un verre et on discute. Aquí ya podríamos interpretar este on como él y sus amigos. On boit un verre, nos tomamos algo, boire un verre, beber un vaso literalmente, pero es la expresión para tomar algo. On discute, hablamos, charlamos. Cuidado con el verbo discuter en francés, discuter, porque puede ser un falso amigo de discutir en español. Pero en español discutir es tener una conversación acalorada con alguien, mientras que en francés on discute es hablar, simplemente intercambiar conversación con otras personas, sin más. On discute, ¿ok? On discute avec les touristes, hablamos con los turistas. Le soir, quand il y a des concerts, quand il y a, fijaros este con, cuando, como la D suena como T al hacerlo con il. Quand il y a de concert, on fait la fête, nos divertimos, ¿no? Hacemos la fiesta, et on danse y bailamos toute la nuit. Siempre on fait, on danse, on boit, on voit, on va, siempre el verbo tercera persona de singular. Et voilà, ça c'est plus ou moins. L'explotation, si vous voulez, la présentation de la première page. Alors, je continue maintenant ici à l'activité 3. Une fois que nous avons lu, ya hemos leído le document, quelles sont les activités que vous aimeriez faire? Y aquí os podríais pronunciar, decir, j'aimerais me promener dans la Médina. Moi aussi, j'aimerais bien faire du surf. Me gustaría hacer surf. No sé si es que me he comido a alguien. Ah, perdón, que me acabo de dar cuenta. Excusez-moi, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi ici
Voilà le cas de Naïb et Amina que je n'avais pas lu. Alors je continue par là. Et voilà, il y a Najib, 50 ans. Le samedi, je vais chez Driss, une pâtisserie très ancienne. Avec mes enfants, on prend le petit déjeuner. On boit un thé à la menthe et on mange une pâtisserie. Après, on va se promener sur la plage ou sur le port. Bueno, creo que no es muy complicado, que lo podréis entender bien, no obstante, lo leo de nuevo. Le samedi. Acordaros que cuando ponemos le, estamos diciendo los sábados, en general, todos los sábados. Si hubiera dicho samedi, sin el artículo, samedi sería ese sábado en particular. Le samedi, los sábados. Je vais chez Driss, voy literalmente a la casa de Driss. Chez es un local comercial que es casa Pedro, casa María, ¿no? En este caso se suele usar mucho cuando queremos ponerle un nombre a una tienda, a un local, un comercio, y le queremos poner el nombre del propietario, ¿no? Chez Driss, une pâtisserie très ancienne, una pastelería muy antigua, pastelería très ancienne, muy antigua, avec mes enfants, con mis hijos, on prend le petit déjeuner. Aquí aparece de nuevo el on. Fijaros, on prend, y se refiere a nosotros, él y sus hijos. On prend le petit déjeuner, tomamos el desayuno. On boit un thé à la menthe, bebemos un thé a la menta, o un thé con menta, un thé a la menta. Et on mange une pâtisserie y nos tomamos un pastelito. On mange. Après, después, on va se promener, vamos a pasearnos sur la plage ou sur le port. Nos vamos a pasear a la playa o al puerto. Fijaros, en este caso, la preposición sur, sobre la playa, sur, sobre el puerto. Y esto se hace así cuando hacemos referencia a un lugar que es un espacio grande y un espacio abierto, se suele utilizar sur. Curiosamente, se dice on va dans la rue. La calle, decimos dans la rue, en la calle. Como si la calle fuera un espacio cerrado y estamos dentro de él. Es un caso curioso del idioma. Sin embargo, lo normal es decir, je suis sur la plage, sur le port, sur la place. ¿Eh? Estoy en la plaza, en el puerto o en la playa. Sur, espacio abierto. ¿De acuerdo? Je continue avec Amina, 19 ans. Amina, 19 ans. Essaouira, c'est la ville du vent. Le week-end, je fais de la planche à voile. Mes amis font du surf ou du kitesurf. Il y a beaucoup d'écoles et de clubs pour prendre des cours. Alors, Essaouira, c'est la ville du vent, es la ciudad del viento. Le week-end, los fines de semana, je fais de la planche à voile. No sé cómo se dice plancha a vela. Bueno, pues hago, no es surf, sí, es una plancha a vela. Bueno, voilà. Je fais de la planche à voile. Mes amis font du surf, hacen surf y kitesurf. Y otros hacen kitesurf, no sé cómo se traduce en español, como son deportes que yo no practico. Bueno, pues aquí os buscáis la vida y lo miráis. The kitesurf es surf, pero creo que van en el aire. Ah, lo hacen con una. Ils font du surf, mais avec une comète, ou juste comme ça, je ne sais pas trop. ¿Ok? Il y a beaucoup d'écoles, hay muchas escuelas, beaucoup de clubs, muchos clubes pour prendre des cours. Por tanto, Essaouira, elle aime le surf. OK? Et voilà, maintenant je continue. Cette fois, oui, hein, parce que j'avais oublié la lecture de ces deux documents. Et maintenant, je continue ici. Lisez les documents, c'est-à-dire les cinq documents. Nous les avons lus, mais vous pouvez les lire à nouveau. Et quelles sont les activités que vous aimeriez faire? Alors, il y a les activités des Sian, des Hicham, des Imad, des Najib, d'Amina. Quelles sont les activités que vous aimez faire? Alors, j'aimerais me promener dans la Médina. Moi aussi, et j'aimerais bien faire du surf. Bueno, pues a ver si podéis escribir dos o tres frases de esas actividades que os gustaría hacer. J'aimerais, voilà, boire du thé, ou manger une pâtisserie, ou j'aimerais, voilà, aller au concert, je ne sais pas. Vous lisez les documents, ok? Après, quelles sont les activités du document que vous associez à la tradition et à la modernité échangées en classe? Nos pide que asociemos a la tradición, entre tradición y modernité, ¿cuáles asociáis una u otra? Por ejemplo, le surf, pour moi, c'est la modernité. Par exemple. Bueno, pues ahí podéis
reproducir varias frases y si tenéis tiempo y humor, podéis escribirlas, ¿no? Le surf, pour moi, c'est la modernité. Ou boire un thé à la menthe, c'est la tradition. OK? Voilà. Et dans votre ville, quelles activités associez-vous à la tradition et à la modernité? Alors, si vous voulez écrire ici une activité de votre ville associée à la modernité et à la tradition, vous les écrivez. Ensuite, numéro 6, écoutez, comprendre. Écoutez ce reportage sur Essaouira et écrivez les activités citées. Alors, comme ici, on parle de beaucoup d'activités, et là aussi, il y a beaucoup d'activités, vous devez écouter l'enregistrement 36, OK? Vous devez écouter l'enregistrement 36 et noter les activités dont on parle, OK? Et voilà, donc ça sera plus ou moins les contenus de ces deux pages. Alors je vais arrêter juste une seconde pour ouvrir les deux autres pages qui viennent après. Allez. Et voilà, je suis là avec les autres deux pages hein, qui viennent après. C'est la page 92 et 93. Alors voilà, avant de lire, quel mot associez-vous au loisir? Complétez cette carte mentale, puis en petits groupes, comparez vos réponses. Bueno, aquí nos está pidiendo que rellenemos algunas expresiones que tengan que ver con el ocio. Por ejemplo, quoi, quand ou avec qui, hein? Es decir, qué actividades irían, serían del ocio. Vous pouvez regarder la page précédente, OK? Les activités de loisirs de ces habitants de Sevilla. Quand? Para que anotéis aquí en qué momento, ok, quand, cuando et avec qui, con quién. Estoy tentado, je suis tenté de vous dire ce que vous devez écrire là sur le texte, mais je vais fermer la bouche parce que je parle trop et vous n'avez pas après l'opportunité de réfléchir. Donc, vous vérifiez les pages précédentes et vous essayez de compléter cette carte mentale. De toute façon, si vous lisez ici en bas un peu, vous trouverez encore plus d'informations qui seront intéressantes pour vous. Alors, je vais lire avec vous ces documents. Les loisirs des Français. Les loisirs des Français. Comme je l'ai dit, cette parole, la usan prácticamente siempre en plural, pero en castellano lo traduciríamos por el ocio, en singular. ¿Ok? Les loisirs des Français et el ocio de los franceses. Quelles sont leurs activités préférées? Alors, avec cette lecture, je pense que vous pouvez faire l'activité qu'il y a avant. Les Français consacrent plus de 9 heures par semaine à leurs loisirs. 65% partagent leurs loisirs avec d'autres personnes. En général, avec leur famille ou leurs amis. Les Français, les Français, consacrent, dédiquent plus de 9 heures par semaine, más de 9 horas a la semana, à leur loisir, à l'ocio, à su ocio, littéralement, à l'ocio. 65%, 65, pardon, 65% partagent leur loisir et 65% partager, c'est-à-dire comparten su ocio avec d'autres personnes, con otras personas, en général, avec leur famille ou leurs amis, en général, su familia y sus amigos. Fijaros el uso de leur, hein, que aparece mucho por aquí, y es el su de ellos. Es un, indica la posesión de una tercera persona respecto a algo de un grupo de personas. Leur es de ellos o de ellas. Leurs amis, amigos de ellos, de ellas. Leur familia, la familia de ellos o de ellas. Fijaros siempre el uso de leur para indicar la posesión de algo respecto a un grupo de personas que son terceras personas. No son nosotros ni vosotros, sino ellos. Voilà, on continue avec la lecture. Pour les Français, avoir du temps libre, hein, c'est d'abord sortir. 80%, excusez-moi, 87%, 87%. Ils aiment les sorties culturelles, ils vont au cinéma, au théâtre ou ils visitent des musées. Ils aiment aussi sortir le soir. Ils vont au restaurant, ils sortent boire un verre ou ils vont danser en boîte de nuit. Pour les Français, para los franceses,
Avoir du temps libre, c'est d'abord sortir. Avoir du temps libre, tener tiempo libre, c'est d'abord, es primeramente, ante todo, d'abord, esa expresión se utiliza cuando hacemos una enumeración de actividades, lo primero de todo, d'abord, para empezar, primero de todo, c'est d'abord sortir, es primero de todo salir. Les encanta salir, 87%, 87%. Ils aiment les sorties culturelles. Os recuerdo, luego aimer es amar, pero también es gustar. Les gustan las salidas culturales. Ils vont au cinéma, au théâtre, van al cine, al teatro, ou ils visitent des musées, o visitan museos. Fijaros, ils vont au cinéma, el verbo aller, ils vont, y vamos a un sitio. Je vais à, es la preposición a, pero aquí fijaros que pone au cinéma, au théâtre, porque la palabra cinéma, la palabra théâtre, son masculinas. Diríamos le cinéma, le théâtre. Ils vont à le cinéma, ils vont à le théâtre. Pero en francés se produce una contracción, no podemos decir à le, diremos au. Ils vont au cinéma, ils vont au théâtre. Por tanto, sería la contracción de à y le, que en francés es au. En español sería al, ¿ok? Ils aiment sortir le soir, les gusta salir por la noche. Ils vont au restaurant, van al restaurante. Ils sortent boire un verre ou ils vont danser en boîte de nuit. Ils sortent boire un verre, salen a tomar algo. Fijaros el verbo salir, así como el verbo ir, je vais à, nos pide la preposición a. Cuando hablamos con el verbo salir, salen a comer, salen a hacer deporte, salen a hacer algo, y sortent con el infinitivo directamente. Y sortent boire un verre, ¿no? O incluso con el verbo aller sería lo mismo. Je vais travailler, voy a trabajar. Es decir, que con el verbo aller, con el verbo sortir, la construcción nos pide directamente un infinitivo, si queremos utilizarlo, pero no hay preposición. ¿Ok? Y sortent boire, salen a beber. ¿Ok? Ensuite, bueno, perdón, no sé si lo he traducido, van al restaurante, salen a tomar algo o van a bailar, fijaros, ils vont danser, ils sortent boire, fijaros que entre el verbo y boire y entre el vont y danser no hay preposiciones en francés, salen a bailar, en boîte, salen a bailar a una discoteca. Boîte de nuit, la palabra boîte, que suena ya de los años 60, se sigue utilizando para indicar un lugar de ocio nocturno con música, una discoteca, vaya. Ensuite, pendant leur temps libre, les Français font du sport, 67%. Ils aiment faire de la randonnée, de la natation et du cyclisme. Ils aiment aussi jouer au football, au tennis, au rugby ou faire de l'équitation. Bueno, y aquí hablamos de más actividades. Ensuite, a continuación, respecto a l'anterior, además de, pendant leur temps libre, durante su tiempo libre, les Français font du sport. Practican algún deporte, hacen deporte, 67%. Ils aiment faire de la randonnée, les gusta hacer caminatas en la montaña, lo que hace este chico aquí, él dice une randonnée, que sería la expresión, pues ir de monte, ¿no? O ir a la montaña, es decir, hacer un paseo normalmente en ese tipo de lugares, faire une randonnée. Et ils aiment faire de la natation, les gusta nadar, ils aiment faire du cyclisme o andar en bicicleta. Fijaros aquí el verbo faire, que es hacer, pero aquí se utiliza cuando hablamos de actividades y sobre todo de actividades deportivas, pero de todo tipo de actividades. Cuando hablamos de la actividad y no de la acción de lo que estamos haciendo, sino de la actividad sin más, se usa mucho el verbo faire, lo vamos a ver ahora. Faire de la randonnée, hacer caminatas. Faire de la natation sería nadar y faire du cyclisme, salir en bicicleta, ¿no? Ils aiment aussi jouer au football, les gusta también jugar al fútbol. Fijaos aquí, jouer, un sentido parecido al español, jugar a un deporte. Jouer à, siempre es la preposición a, cuando jugamos, jouer à, jouer au football. Jouer au tenis, au rugby, pero fijaros cómo es a, decimos o, porque es le football, le tenis, le rugby. Y por tanto, a y le no se puede decir se contraen. ¿De acuerdo? Un poco como lo hemos visto arriba. O faire de l'équitation. O les gusta, pues, montar a caballo. Faire de l'équitation, practicar equitación. Voilà. Les Français aiment également les jeux. Ils jouent souvent aux cartes, aux échecs ou aux jeux vidéo, entre amis ou en famille. Les loisirs créatifs sont importants pour eux, 48%.
Ils font du dessin, de la peinture ou de la photo. La musique est aussi appréciée. C'est le cinquième loisir préféré des Français, 19%. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Bueno, es interesante todo lo que hay aquí por la estructura, más que nada, porque el vocabulario es bastante fácil, ¿no? Le vocabulaire, c'est pas compliqué, mais la structure est importante. Alors, les Français aiment également les jeux. A los franceses les gusta también, igualmente, los juegos. Juego. Ils jouent souvent aux cartes, juegan a las cartas, aux échecs, à l'ajedrez. La expresión ajedrez sería échec. Es como jugar a las derrotas. Échec et mat. Es jaque y mate. Cuando decís échec et mat. ¿Okay? En el ajedrez, jaque y mate. Aux jeux vidéo. Les gusta jugar a los juegos de vídeo. Entre amis. Entre amigos. Entre amis. Todo pegado. Entre amis. Ou en famille. O en familia. Les loisirs créatifs. Et l'ocio creativo. Les loisirs créatifs sont importants pour eux. El ocio creativo es importante para ellos. Fijaros cómo les loisirs lo dicen siempre en plural. Eso explica que toda la frase vaya en plural. Alors, les loisirs créatifs sont importants pour eux, 48%. Ils font du dessin, de la peinture ou de la photo. Una vez más, el verbo faire pour marquer une activité. Je fais. Et avec le verbe faire, si vous parlez d'une activité, vous utilisez la préposition de. Je fais de. Et avec la préposition de, vous avez la même chose, la contraction que vous avez vue avec la préposition à, vous avez une contraction similaire avec la préposition de. C'est-à-dire, je peux dire de, je fais de la guitare. Estoy estudiando guitarra, je fais de la guitare, pero tendría que ser, por ejemplo, je fais du dessin. Eso es, me dedico a hacer dibujo o practico como una actividad el dibujo, porque es faire de le dessin. Como no puedo decir de le, tengo que contraerlo en du. Por tanto, con la preposición de, si après vous avez l'article masculin singulier le, vous devez dire du. Vous pouvez dire de la, par exemple, mais vous devez dire du et ne pas de le. D'accord? Et au pluriel, vous direz de es, des. Alors, ils font du dessin, de la peinture, fijaros, no hay contracción ninguna, ou de la photo. Il quiere decir que, bueno, son actividades a las que se dedican al dibujo, a la pintura y a la fotografía. La musique est aussi appréciée, c'est le cinquième loisir. El quinto ocio, bueno, mira, un caso donde loisir aparece en singular, es la quinta actividad de ocio préféré de français, preferido de los franceses. Il joue surtout du piano, y aquí tenemos el verbo jouer, pero para tocar un instrumento. Il joue du piano, fijaros, aquí era jouer a, jugar a, y aquí era tocar un instrumento. Il joue du piano, tocar el piano. Et il joue de la guitare, toca la guitarra. Pasa lo mismo que antes. ¿Por qué ponemos du? Porque piano es masculino. Le piano. Il joue de le piano. Je ne peux pas dire de le. Je dois dire du piano. Par contre, je dis de la guitare. Pas de problème. Alors là, vous avez une lecture intéressante par rapport aux activités préférées des Français. Avec cette lecture, je pense que vous pouvez bien compléter la première activité. Et là, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots, de lexique concernant les loisirs. Et surtout, il y a des structures qui sont importantes pour vous en ce qui concerne le verbe et la contraction de préposition. Alors, là, c'est plus ou moins le contenu que vous avez ici, que vous allez travailler en détail dans la page d'à côté. Alors, je vais me mettre par là, ok? Alors ici, lisez l'article, repérez les cinq catégories des loisirs, puis complétez le classement. Alors ici, on parle des différentes catégories de loisirs, ok? Différentes catégories. Il y a une première catégorie, c'est les loisirs, pardon, les sorties culturelles. Vous devez compléter les autres catégories qui sont là. Vous cherchez, vous lisez. Et vous les complétez. Après, travailler la langue, associer les activités aux photos. Bon, je pense que c'est une activité assez facile parce que vous avez les photos et vous devez donc ici, dans la case, vous y mettez
le chiffre de la photo associée. Donc, jouer du piano, faire du sport, jouer de la guitare, faire de la natation, jouer au tennis, faire de la danse, jouer aux cartes, aller au cinéma. Fijaros, como cuando hablamos de actividades, utilizamos el verbo jouer, el verbo faire. Es interesante cómo se construyen. Si es el verbo jouer, para tocar un instrumento, jouer de, y todas las contracciones a las que me obliga la preposición de. El verbo faire, de, siempre cuando hablamos de faire de, más lo que le pongáis después, ¿de acuerdo? Et voilà, jouer du piano sería tocar el piano, faire du surf, practicar el surf, fijaros, no se puede traducir literalmente de un idioma a otro, jouer de la guitarra, tocar la guitarra, faire de la natación sería practicar natación o hacer natación, jouer au tennis, faire de la danse, jouer aux cartes, jugar al tennis, bailar, jugar a las cartas o ir al cine. Voilà, comme quoi, ici, on nous dit relever dans l'article les expressions avec jouer, faire et aller. Nos pide que estas actividades las recoloquemos aquí para que seamos conscientes de las diferentes estructuras. Jouer de, plus instrument, tocar un instrumento musical. Jouer à, sport ou jeu, jugar a algo. Faire de, más deporte o actividad. Faire du sport, faire de l'équitation, etc. Aller à, cuando es un lugar. Aller au cinéma. Et tout ça, c'est important. Parce que vous trouverez ici cette activité, ok, les articles contractés. Ce que je viens de vous répéter pas mal de fois dans les lectures précédentes. Alors, vous avez la possibilité de trouver des contractions si vous avez la préposition à et la préposition de. Il n'y a pas de contraction si vous dites à la, alors pas de problème, ou de la, pas de problème, ou si vous avez à et l'apostrophe, ou de l'apostrophe. Par exemple, je vais à la piscine, ou je viens de la piscine, ou je vais à l'hôtel, je viens de l'hôtel. Alors là, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, si vous allez à plus, vous avez à plus un nom masculin singulier, le, alors là, qu'est-ce que vous devez dire et qu'est-ce que vous devez écrire? Et si vous avez de plus le, qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez écrire? Pour le pluriel a plus les, pluriel masculin ou féminin, vous direz o, en question qui non se les, o, et de plus les, vous direz des. De toute façon, vous trouverez dans les cahiers d'exercices, à la page 47, pas mal d'exercices pour voilà, vérifier que vous avez compris cette règle importante de la grammaire. Après, produire et interagir. En petits groupes, écrivez un maximum de loisirs dans chaque catégorie. Échangez votre liste avec celle d'un autre groupe qui a le plus de propositions. Connaissez-vous ces loisirs? Bueno, simplemente nos pide que rellenemos aquí una lista de actividades. Et avec le sport, faire de la natation. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pouvez y ajouter? Des activités par rapport aux sorties, à la salidas, loisirs créatifs, jeux, musique, autres. Alors, si vous lisez le texte précédent, je pense que là, il y a beaucoup d'informations qui vont vous servir à compléter et faire cette activité. Et maintenant, une autre partie de grammaire importante. Échangez sur vos loisirs et sur ceux de vos proches à l'aide de ces tableaux. Des tableaux. Aquí tenemos dos verbos, insisto, muy importantes, que tenéis que conocer bien. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Vous le tenez qu'apprendre bien. C'est un verbe irrégulier, mais se usa mucho en français. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, faisons, vous faites, ils font. Observez la prononciation en plural. Faisons, faites, font. Et pour le verbe jouer, no plantea problemas, es un verbo de la primera conjugación, con las terminaciones típicas de los verbos de la primera conjugación, que, como sabéis, menos en el caso de nous y vous, el resto de las personas, la terminación final es muda. Y eso hace que todo suene casi igual. Por ejemplo, je joue, tu joues, il, elle, on joue, y en plural, il, elle, joue, suena exactamente igual. Joue. Solo cambiaría cuando decimos nous jouons, vous jouez. Recuerdo, jouer à, jugar algo, jouer de,
tocar un instrumento musical. OK? Et, bueno, jouer a, perdón, he dicho jugar a algo o practicar un deporte y jouer de un instrumento musical. Y en el caso del verbo faire, acordaros, el verbo faire de se refiere a hacer una actividad o deporte. Et voilà. Quel loisir faites-vous seul ou accompagné? Seul, tanto masculino y femenino, con e final si es femenino, pero la misma pronunciación, seul, en couple, en pareja, en familia, en familia, avec des amis, con amigos, avec des inconnus, con desconocidos. Bueno, aquí os pido qué deporte hacéis en alguno de esos contextos. Avec mon compagnon, nous faisons de la randonnée. Mon compagnon, en una pareja, es el hombre, compañón. Y la mujer sería compañón, compañón, compañón. Avec ma compagne, avec mon compagnon, que sería partenaire, ¿no? Nous faisons de la randonnée. Et voilà. Comme ça, nous avons terminé l'exploration de ces deux pages. Il nous en reste encore deux autres pages. Je vais arrêter un petit moment, pardon, pour ouvrir les deux dernières pages de ce dossier. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, je suis là comme d'habitude. Et voilà, on va regarder les deux dernières pages qui complètent les dossiers 1 de notre unité 6. Alors, je vais explorer avec vous les contenus de cette page. Et voilà que je commence avec la page 94. OK? Alors, ici, le contenu, c'est les Français Internet et les réseaux sociaux en 2016. Los franceses, Internet y las redes sociales en 2016. Les Français, Internet et les réseaux sociaux. Je lis le texte avec vous. Partout dans le monde, on écoute et on achète de la musique en ligne. On regarde des séries ou la télévision sur Internet. On s'informe, on communique sur les réseaux sociaux et on fait des achats en ligne. Et les Français, sont-ils connectés? Et vous? Quelles sont vos habitudes? Comment utilisez-vous Internet? Répondez à notre enquête. Por tanto, sería una encuesta, que ahí la tenemos, ¿ok? Y esta sería la introducción. Partout dans le monde, en todas las partes del mundo, partout, por todas partes, on écoute et on achète de la musique en ligne. Fijaros este on, que vuelve a aparecer, y es un sujeto personal que no está identificado. Aquí en castellano, en español, podríamos traducirlo por se, ¿no? Se escucha y se compra música en línea. On achète de la musique en ligne. On regarde des séries ou la télévision sur Internet. Se miran series o incluso la televisión directamente en Internet. On s'informe, se informa, on communique, se comunica sur les réseaux sociaux. Podemos traducirlo por nosotros. Nos informamos, nos comunicamos a través de las redes sociales. Et on fait des achats en ligne y hacemos o se hacen compras en línea. Et les Français sont-ils connectés? Y los franceses están conectados. Et vous? Y usted? Quelles sont vos habitudes? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cómo utilizez-vous Internet? ¿Cómo utiliza usted Internet? Responde a notre enquête. Pues aquí nos da una serie de informaciones y luego una pequeña encuesta. Por ejemplo, 86% des Français utilisent Internet. 86% des Français utilisent Internet. C'est-à-dire 58 minutes par jour temps passé sur Internet depuis un smartphone. OK? Bon, je vais lire d'abord cette partie-là supérieure. 86% des Français utilisent Internet. 82% des Français utilisent tous les jours, hein, l'Internet, l'utilisent todos los días. 50% des Français utilisent les réseaux sociaux. 50% des Français utilisent les réseaux sociaux. Et alors, leemos d'abajo. 58 minutes par jour, temps passé sur Internet depuis un smartphone. 58 minutes al día, tiempo pasado en Internet desde un teléfono móvil, un smartphone. 1h15 minutes, 1h15 minutes par jour, temps passé sur les réseaux sociaux. Tiempo pasado en las redes sociales. 3h37 minutes par jour, temps passé sur Internet depuis un ordinateur ou une tablette. Tiempo que se pasa en Internet desde un ordenador o una tableta. Depuis un ordinateur ou une tablette.
Por tanto, 58 minutos al día usando Internet desde un móvil, una hora y cuarto de usos de redes sociales, tres horas y media, un poco más, de uso de Internet desde un ordenador o tableta. Et alors, là, il y a un questionnaire et c'est à vous de le remplir et vous pouvez le faire comme une activité. Internet et vous. Vous vous connectez avec un ordinateur, une tablette, un smartphone. Tenemos que responder jamais, nunca, rarement, raras veces, de temps en temps, de vez en cuando, de temps en temps, souvent, a menudo. Y por tanto, sería que marcaréis esas respuestas para hacer la encuesta. Vous utilisez Internet pour vous informer, pour regarder des vidéos, pour utiliser les réseaux sociaux, pour faire des achats, pour écouter ou télécharger de la musique, pour regarder la télévision, pour jouer en ligne. Vous utilisez Internet para informarse, pour vous informer, pour regarder des vidéos, para mirar vídeos, pour utiliser les réseaux sociaux, para utilizar redes sociales, pour faire des achats, para hacer compras, pour écouter ou télécharger de la musique, para escuchar o descargar o bajar música, descargar música, pour regarder la télévision, pour jouer en ligne, para mirar la televisión, para jugar en línea. Fijaros, el pour indica para, indica la finalidad, ¿de acuerdo? Y luego va utilizado siempre con un infinitivo, igual que sería en español. Alors, on nous dit, lisez les documents, que pensez-vous de ces informations? Alors, pour moi, 1h15 sur les réseaux sociaux, c'est peu. Voilà, on nous demande de réagir à ces informations. Bon, mais c'est pas nécessaire de tout faire. Répondez à l'enquête, puis à de comparer les résultats. Là, oui, parce que c'est la question de l'enquête. C'est intéressant si vous la faites juste pour vérifier quelles sont vos habitudes, quel est votre comportement. Travailler la langue. Lisez l'introduction. Que désigne le pronom on? Esto es interesante porque nos habla del pronombre on y nos pregunta qué designa aquí el pronombre on. Reformuler l'introduction en remplaçant ce pronom et puis compléter le tableau. Entonces, aquí nos pide información sobre el pronombre on que hemos utilizado muchísimo arriba. Le pronom on peut avoir une valeur générale, puede tener un valor general, se refiere a les gens, tout le monde, la gente, todo el mundo. Avec le pronom on, le verbe se conjugue toujours à la, hay que indicar en qué persona, del singular o del plural. Ahí lo tenéis que poner, ¿vale? De toute façon, si ce n'est pas très clair et que vous voulez vérifier que vous avez bien compris l'activité, je vous invite à visiter le cahier d'exercice et de faire les activités de la page 48. Et voilà qu'on va attaquer la dernière page de cette unité. Alors ici, vous devez écouter, comprendre et réagir. C'est une activité de compréhension, ok? Alors là, écoutez Alice et son oncle. Pourquoi Alice utilise-t-elle Internet? Pourquoi faire? Cochez les bonnes réponses. Por tanto, aquí nos pregunta. Alicia está hablando con su tío, Alice es su oncle. ¿Por qué Alice utiliza Internet? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Indica, digamos, la causa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? C'est la cause, la causa. ¿Por qué hacer? ¿Y para hacer qué? ¿Por qué hacer? ¿Para hacer qué? ¿Por qué hacer? Fijaros que se parece mucho este ¿por qué? A este ¿por qué? Pero cuando lo ponemos junto, ¿por qué? Estamos preguntando ¿por qué? La causa. En cambio, pourquoi faire es para hacer qué. Indicamos la finalidad. Alors, pour s'informer, pour faire de recherches, para hacer búsquedas, pour faire des achats, hacer compras, pour regarder des films, pour jouer en ligne, pour être en contact avec ses amis, pour voir des photos de ses amis. Pourquoi? Parce qu'elle trouve ça utile, parce que ça lui paraît utile, parce qu'elle n'aime pas faire du shopping, parce qu'elle ne le gusta hacer compras, compras en la calle, o sea, irse de tiendas, parce qu'elle a beaucoup d'amis à l'étranger, parce qu'elle tiene muchos amigos en el extranjero, parce qu'il n'y a pas de bons films à la télé, parce qu'il n'y a pas de bonnes películas en la télévision, parce qu'on peut lire plusieurs journaux gratuitement, parce que se pueden leer varios libros, perdón, varios periódicos, plusieurs journaux gratuitement. Alors, vous devez écouter
la conversation entre Alice et son oncle, et vous devez signaler pourquoi Alice utilise-t-elle Internet. Indiquer pourquoi la finalité et pourquoi la cause. Et là, c'est justement la même chose que je viens de vous répéter ici. Complétez le tableau à l'aide de l'activité précédente. Pour et parce que. Que signifie pour? Le but, la finalité ou la cause? La cause. Parce que. Suivi des phrases portant terminus pour suivi d'infinitif, pour seguido d'infinitivo, sert à exprimer, sirve para expresar, le but ou la cause. Parce que suivi des phrases sert à exprimer le but ou la cause. Una cosa curiosa también, parce que est souvent remplacé à l'écrit par car. C'est-à-dire qu'en lugar de parce que, en la lengua escrita, es posible que encontréis car. Que no significa ningún coche y ningún autocar, ¿de acuerdo? Es propio de la lengua escrita el uso de esta expresión que significa lo mismo. Alors là, vous avez des exercices pour vérifier la bonne compréhension. Allez-y si vous en avez besoin. Et voilà, on va terminer ici. Produire et interagir. Utilisez-vous ces réseaux sociaux? Si oui, pourquoi faire et pourquoi? Discutez-en en groupe. Alors, on vous demande si vous utilisez Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest ou Google+. Et vous devez dire, aquí sería para que lo hicierais vosotros, oui, j'utilise Facebook pour avoir des nouvelles de mes amis parce qu'ils habitent à l'étranger. Donc, por tanto, lo que nos pide es que utilicemos pour y parce que. Pour, para indicar el objetivo, la finalidad, y parce que, la causa. Utilizo Facebook para tener noticias, pour avoir de nouvelles de mis amigos. Porque ils habitent à l'étranger, viven en el extranjero. Y a modo de balance, digamos, de recopilación, en número 7, petit bilan, pequeño resumen, pequeño balance. Répondez a ces questions sur les unités précédentes. Tenemos que responder a estas preguntas. Qu'est-ce qu'on dit pour encourager quelqu'un? Unité de découverte. Qu'est-ce qu'on dit pour encourager quelqu'un? Pourquoi on appelle la France l'Hexagone? Unité 1. Pourquoi on visite le Maroc? Unité 2. Pourquoi il y a beaucoup de mariages mixtes en Belgique? Unité 3. Pourquoi on dit chambre de bonne? Unité 4. Pourquoi les Québécois font-ils des activités le soir? Tendríamos que volver a esas páginas, vous devez revenir en arrière et trouver la réponse à ces questions. Par exemple, pour encourager quelqu'un, on dit bravo. Para animar a alguien, se dice bravo. Bravo. OK? Pour terminer, à votre tour, écrivez des questions pour aider vos camarades à réviser ce qu'ils ont appris. Quel mot on dit pour saluer en français? Bon, ce n'est pas important de le faire. Il y a une dernière activité, si jamais vous avez envie de la faire et que vous n'êtes pas trop fatigué. Alors, ici, on nous dit réaliser un mini-guide de loisirs de la ville. Realizar una mini-guía del ocio de la ciudad. Choisissez un loisir que vous pratiquez dans votre ville et que vous aimez bien. Nos pide que elijamos una actividad de ocio. Que pratiquons en la ciudad et que nous gusta. Faites une fiche pratique à l'aide des étiquettes et de l'exemple. Con esa actividad que nos gusta, tenemos que hacer una ficha de modo práctico, donde vamos a indicar tipo de loisir, tipo de actividad, où, donde, quand, cuando, prix, precio. Écrivez un témoignage dans quel but vous le pratiquez, pourquoi vous l'aimez. Nos pide que hagamos un testimonio de cuál es la finalidad y la causa. Rassembler les fiches pour créer le mini guide de loisirs de la place. Bueno, esta última actividad no haría falta. Alors, vous avez ici une petite activité à partir de cette proposition. Cours de cuisine italienne. Type de loisirs. Cours de cuisine. Curso de cocina. Où? Donde? Le restaurant La Belle Napoli. Quand? Cuando? Le lundi de 18h à 21h. Prix 60 euros. Pues sería témoignage, testimonio, o sea, una recogida de impresiones. Je prends des cours de cuisine italienne dans le restaurant La Bella Napoli pour apprendre à faire des gnocchi et des pizzas. C'est génial parce que le chef Paolo explique bien et il est très drôle.
Por tanto, testimonio, je prends des cours de cuisine, tomo clases de cocina italiana dans le restaurant La Bella Napoli pour apprendre à faire des gnocchi et des pizzas. Para aprender, lo hago pour, para aprender, pour apprendre. Apprendre indique la finalidad, c'est l'objectif. C'est génial, es estupendo, y indique la causa. Parce que, es génial, porque el chef, parce que le chef, Paolo, explique bien et il est très drôle. Il explique bien. Y es muy simpático y gracioso. Por tanto, se trataría de buscar un pequeño texto en el que más o menos diréis algo similar. Lo importante, indicar el pour, la finalidad, y el parce que, la causa. Y voilà, ça c'est donc tout ce que j'ai à vous expliquer ici. Okay? Et donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous et que ce parcours et que je viens de faire sera utile et pratique. Alors, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne continuation. Mais avant, je vous dis comme d'habitude, merci de votre patience et de votre compagnie. Donc, à la prochaine. Ciao.